Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor Bataille du Pacifique. Et donc avec cette petite musique tranquille, on va repartir sur le mode Honor. Continuer. Donc je crois que là on va aller sur Guadalcanal. Je suis plus trop sûr. Ça a même peut-être recommencé là où on s'est arrêté au tout début de du jeu. Quand on débarque sur une île et après hop on part côté entraînement. Mais j'en suis plus certain, on va dire, je me souviens plus du tout des missions dans ce jeu. À part 2-3. J'ai souvenir d'une mission en avion. Après, je suis jamais allé plus loin dans le jeu, donc je ne sais pas où ça s'arrête. Allez, charge, petit jeu. En tout cas, le jeu devrait, je devrais finir le jeu d'ici la fin, d'ici le mois d'octobre et après mois de novembre, novembre, décembre et janvier, je vous prépare d'autres trucs. Vous allez voir, ça sera assez sympa. Il paraît que Mekin a été un succès, mais on n'a pas le cœur à se réjouir quand on pense à tous ceux qui y sont restés. Une équipe est venue nous récupérer après le raid. Il faut croire que notre action a été remarquée en lieu, vu qu'on nous envoie à Guadalcanal. La première division de marine a débarqué il y a quelques semaines et s'est emparée d'un aérodrome que l'ennemi était en train de construire. Mais la jungle autour de la piste n'est pas sécurisée, et ça, ce sera notre premier boulot. Après, il faudra chasser les Japonais de l'île. Le 28 août 1942, Guadalcanal. Oh yeah. Pacifique Sud. Ça va être le bordel, je crois. Sergent d'artillerie Minoso, hein? Boucle-la, Willy. Tu nous tannes avec ça. Ça te pose un problème, Willy? Pas de problème, Larty. Je me demande juste pourquoi toi... Enfin, tout le monde sait que c'est Tommy le héros du groupe. Arrête de chercher des crosses, Will. Ou même Jimmy. Où est-ce qu'on serait si ce cher Toubib n'était pas tout le temps là pour sauver notre peau? Eh oh, et moi d'ailleurs! Rappelez-vous le type que j'ai liquidé dans l'arbre! Attention, tout le monde descend! C'est pas moi qui donne les galons, Pecno. Oh, mais je sais qui les donne! Je veux juste m'assurer que tu nous fais pas marcher. Tu sais, comme quand tu nous parles de tes soi-disant conquêtes. Espèce de petite fiotte, je suis meilleur que toi depuis le début, depuis les classes. Quoi? J'entends rien, là. Il faut un bouquin pas possible. Je cherche pas trop, Willy. On en parlera plus tard. D'accord. Le matos qui nous a amené doit rester intact. On va faire le tour du propriétaire pour voir si la voie est libre. Nicky, tu pars en éclaireur. Sois prudent, mais traîne pas en route. Vas-y. Bon, les gars, l'aérodrome est pas loin, mais on va être à découvert. Ça va pas être une promenade de santé. Perdez pas de vue ceux qui vous précèdent et tâchez d'arriver vivant. En piste. Oh oui, j'ai une Thompson. Bon, j'ai toujours les explosifs. Les jumelles qui servent à que dalle, les explosifs aussi. Ah, c'est pas une Thompson ça. Si, c'est une Thompson. Juste qu'elle est dessinée bizarrement sur leur truc. Bon, on avance les filles. Hein. Attendez, le truc, j'avais changé en plus de touche pour me baisser maintenant. Je sais plus ce que j'avais pris. Ça c'était ça, non? Il y a un petit village là-bas, sergent. Les Japs ont deux points d'appui. Des gars d'ici? Non, pas à première vue. Hein, c'était quoi le bouton? Bien. Ah oui, c'était ça. Tommy, prends Willy et un bleu avec toi et passez à gauche. Les autres avec moi. C'est parti. Ok, hop, hop, faut que je m'habitue. Patrouille! T'es obligé de crier, genre... Allez-y. Merde. Wouh. On va par là. Reculez. Non mais recule pas, avancez. Allez, tout le monde. Allez, allez.
Ah merde, mais ils sont beaucoup là. Non, non. Oh putain. Bon, je suis allé un peu à la bourre, hein, je ne mets. Je vais mourir. Et ce truc il s'arrête pas, c'est chiant ça. Je vais mourir. Merde. Non. Excusez-moi, j'ai encore ma toux. Oh, c'est parfait, le médecin vient me chercher. C'est sûr, ce truc de baïonnette où on peut pas... Attendez, mais je crois qu'il y a un bouton pour les bandages. C'est bizarre. Faut que je regarde, mais... Il y a un truc chelou, quoi. C'est bizarre qu'on puisse pas arrêter le sang. Attendez, j'aimerais bien récupérer mon arme. Oh, magnifique salto. Ah oui, j'adore les murs invisibles. Aïe. Comment ça m'énerve l'autre avec son pétard là. Ah, qu'est-ce que c'est, ce bordel. Oui, bien sûr, j'adore ça. Non, non, non. Ah, faut arrêter, là. C'est n'importe quoi, ça. Prends-toi pour charger, les mecs, ils meurent pas. Mais meurs, c'est pas possible, ça. Voilà, alors, attendez. Il y a un truc, faut que je regarde. Une... avancer, tatati... Pensez une blessure B. Ah bah je me disais bien aussi. Et appeler à l'aide c'est H. Ah. BH. Gaffe bisou. En avant. En avant. En avant. Ok. Et si je fais ça? Je suis touché. Ah non, je cherchais le... A chaque fois je cherchais le bouton. D'accord, bon, bon, y a un truc pour nous appeler quand on est médecin. Je me disais aussi, c'est bizarre. Mais en fait, c'est pas le même bouton. H pour appeler secours, B pour se penser. Et F, c'est quand... c'est pour donner des ordres, je crois. Ouais, bon, bah, faut que je retienne ça, alors. C'est vrai que j'ai complètement oublié ça. Bon, c'est parfait. Bon, même si je suis pas fan du système, hein, franchement... Prenez vos balles les gars. Mais... Ça me fait halluciner moi. Mais... Je vais lancer une grenade. Ok, la grenade est partie, je ne sais où, mais... Bonjour. Mission. Bon boulot, les gars. À ce rythme, les jumps vont pas tarder à mettre les voiles. Regroupez-vous et vérifiez vos munitions. Direction l'aérodrome. Ah, carte. Parfait. Je vais descendre maintenant. Je vais descendre. Je disais bien qu'il y avait des trucs planqués. Tout le maïol là. Ouh le joli bug.
Bonjour. Ok, il est bugué. Non mais il est mort, enfin il bug, on s'en fout, on dégage. Mais bon, pas que ça foutre. Non mais avancez, on s'en fout. Ouh, c'est bien dense ici. Ouh, je sens les MG venir, non? Ah c'est bon. Et alors entre l'aérodrome et la plage, il y a un camp de japonais, mais personne n'avait vu ça. Ah, une carabine à main. Je cherche le sergent Minoso. Alias l'artiste. Boucle là, Willy. C'est moi. Sergent, le colonel Edson vous attend, vous et vos hommes à la pagode. Oh, la barbe. Ah, ça c'est mieux ça. Mais je vais monter. Bon. Pas le droit de monter. Ah, je crois que c'est la marine japonaise qui doit bombarder là. Ah, je crois. Hein. L'artillerie, mais. Sont renversés. Ok. Que se passe-t-il? Je redécouvre le jeu. Je me souviens plus du tout de tout ça, c'est hallucinant. C'est vraiment le Medal of Honor qui m'avait le moins marqué, le Bataille du Pacifique. Enfin, pour le lire, je l'ai pas fini tellement qu'il m'a pas marqué, parce que je m'étais, on va dire, un peu emmerdé là-dessus. Je crois que j'avais été resté bloqué à une mission, et ça m'a fait chier, après je suis passé à un autre jeu. Et... c'est pas le meilleur de la franchise, personnellement, pour moi. Il est... c'est pas une promenade de santé. Oh mon dieu. Ça va les gars? On est bloqué, le camion bloque le chemin. Bien, va falloir s'occuper de ces canons, allons-y. Oui, on sait pas où ils sont, mais on va s'en occuper. Le truc. Bon allez, on va aller détruire les canons, mais ils sont où? Je ne sais pas, dans l'île. Quelque part dans l'île. Ils peuvent être partout, hein. Ça peut être à 50 bornes d'ici. D'après la carte que Tommy a trouvée, le point d'appui est juste après ce virage. On va ah, à droite pour c'est vrai que j'ai trouvé une carte. Bon, moi j'ai rien dit alors. Mais si j'aurais pas ramassé la carte. Ouais mais non. Non, j'ai mieux qu'une grenade, attends. Merde. Aïe. Je vais mourir. Non mais j'ai fait le con. Ils veulent que je balance des grenades, mais ça va changer quoi que je balance des grenades? C'est les mecs qui y reviennent à chaque fois. Hein? Je comprends pas ces explosifs qu'on a là. On peut pas les lancer super loin et après il y a le après dessus il y a la minuterie, ça c'est chiant. J'aurais préféré qu'ils fassent un système de comment on appelle ça? Pas un système de minuterie mais genre une mèche. On allume, on le balance et tout. Point barre. Parce que là, on est obligé, on perd du temps à contrôler le, à devoir gérer le temps, enfin la minuterie, je veux dire. Et on perd du temps avec ça.
Regarde-là. Gono. Voilà, on va prendre ça pour plus de précision. Tommy, il faut que tu montes là-haut. Balance 2-3 grenades à la tête, on court. Une balle dans la tête. Oh. J'y crois pas. Nom de Dieu. Oh maman. Stop. Non. Touché. Je m'emmerde là. C'est bon ? Allez, c'est bon. Je pensais pas que je pouvais monter dessus en fait, c'est pour ça que je n'ai pas tilté. Moi je passe par là, hein, je... Sans déconner. Kodogo. Attention. Ceci est un massacre en règle. Ok. Allez, j'y vais. Descends dans l'air. Mais dégage toi. On charge. Oh là là, là ces armes. Où elles sont? Je préfère les bonnes MG42. Excusez-moi. Ils sont tous morts ou il y en a encore? C'est bon? Ok. Oh, j'ai plus de vie, je suis à un point de vie quoi. Aide-moi, Doc. Médecin? Nom de Dieu. Personne ne touche à rien. Faut que tu me soignes. Ils ont piégé la casemate, Franck. Sans blague. Tommy, tu fais sauter le canon et on se taille vite. Demande de l'aide, Jimmy. Ils nous ont peut-être laissé d'autres surprises. Je veux... Hé, Sully, faut de l'aide. De la vie. Reste avec moi. Un point de vie, quoi. Waouh. J'en ai plus que 3, Tommy. Ah, merci. Ah mais chaque fois, c'est vrai qu'il faut régler la minuterie. Ça va sauter. Tu veux me dire qu'il y avait un seul canon ici? Genre les gars, un seul canon et puis donne le truc. Les voilà. Putain, mais ils se reproduisent hein. Oh là 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 là. C'est horrible. Ils sont en bas, tout bim. Ouais, mis les voiles. J'y vais, tout bim. Couvre-moi.
Oh, il y a un drapeau japonais, c'est la première fois que j'en vois. Dans le jeu, je parle. Putain, hein. Jamais drapeau japonais. Bon, attendez. Prendre ça, c'est beaucoup plus... Ouais, ils sont beaucoup là. Oh punaise. Ils se reproduisent. Ah ouais, ils font mal hein, franchement. Oh non, sérieux, je tire dessus, le truc il me blesse quoi. Adieu. Ah bah non, ok merci. Me vomis pas dessus s'il te plaît. Aïe. Aïe, arrêtez de me tirer dessus. Grenade, grenade, grenade. Putain mais ils sont... What? C'est quoi ce bordel? Oh non c'est chiant ces trucs là. Ils sont chiants eux. Ah lui. Mais... mais attendez, faut que je passe au... là ici je sais pas, ils me font mal. Et là il y a un blessé là. C'est moi ou il... Ah il a jeté. Invincible. Le mec est invincible. Le gars il a sauté derrière la caisse genre... C'est moi ou il s'est suicidé l'officier? Je crois qu'il s'est suicidé. C'est marrant ça. Sérieux, eh. Non mais c'est abusé, hein. C'est vraiment abusé quoi. Putain mais ça me fait... Ah non, non, ah. Oh j'y crois pas, ce... J'ai oublié d'utiliser un chargeur pour tuer un mec quoi. C'est abusé, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Leur balle en carton. Attendez. Faites gaffe, il progresse. Oh là là, faut recommencer ici. Oh. Oui, je sais, je devais en baisser, mais... Oh, attendez, je vais prendre... Je fais le tour, Franck. Oh, derrière le bidon. Oh l'enfoiré. Ah, se mettre à couvert, c'est quoi de ces boutons comme ça? Je... Oh, 3 balles pour tuer un mec.
Je m'énerve, je suis pété. Ah non, mais arrête. Il me reste deux bandages. Je fais le tour, Franck. Tu peux pas me soigner pendant que je tire. Non mais c'est... Il passe par les côtés. Chiant. Voilà, c'est fini. Ça vient. Chut. Jamais tu meurs toi. Oh là 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 là. Moi tu m'étonnes. Patrouille ennemie. Mais il a tout le temps des patrouilles ennemies. Et... Je flotte. Couvre-moi Willy. Oh là, 30 ans pour mourir quoi. Magnifique salto. Non mais... Mais il meurt, c'est pas possible ça. Nom de Dieu. Jamais tu crèves toi. Donc là il y a le Gugus qui va se casser genre. Y en a un qui se fait la malle. Je veux bien mais. Ah ouais encore non mais. Je le vois pas. Non mais c'est un piège. J'y vais. Prenez ça. Où il est? Embuscade. Bout portant. Je recharge. Un sniper avec bout portant, oui, bah ça le fait aussi, mais. J'ai plus de vie là. Il en manque. Ils sont où les autres? Ils sont morts? On est plus que 4. On était 4. Soigne-moi, Jim. J'en ai encore un dans mon sac, mais fais attention. Et lui, je préfère avoir le sniper que le... Que ce fusil. Le M1 carabine n'a jamais été grand fan, alors... Personne n'a un sniper. Non. Ouais, j'ai que des fusils avec baïonnette. Ce qui est drôle, c'est que les... Il n'y a pas de M1 garante. Surtout que les Américains utilisaient aussi la baïonnette, les mains garantes avec baïonnette. Parce que oui, on n'avait pas dans le Pacifique, c'était beaucoup. Contrairement en Europe, c'était énormément au corps à corps. Hein, puisque c'était la jungle. Beaucoup d'embuscades, beaucoup de corps à corps. Bon, en Europe, ça se passait aussi. Il y avait corps à corps, mais... Bonjour. Alors là c'est un mur. Oh j'en ai eu deux. Oh là là là, il recule qui tape. Ils arrivent les gars. Attention, ils arrivent. Arme en vue. Flanquez-vous. Ah, les grenades là, faut arrêter hein.
Oh là là. Et en plus, t'as l'impression que mes alliés ils tirent... Vous me suivez ? Non, donc... Vous me suivez 20 mètres derrière. Vérifiez vos armes, on continue. Cool. J'adore. Vérifiez vos armes. On continue. Oh, je sens qu'il va y avoir du blindé. Char léger. Mais les japonais n'avaient pas énormément de chars. Surtout dans les îles. Hein. Il y avait quelques chars légers, mais c'était surtout sur le, dans le continent, genre en Chine, qu'ils utilisaient les chars. Après, c'était principalement le char léger, mais c'était... Tout n'était pas basé... Enfin, eux, c'était plutôt l'infanterie qui privilégiait. Ah, je pensais que c'était des ennemis. Bien sûr. Ouh, ouh, ouh. Content de vous voir. Ouh. On espérait un peu plus de renfort, mais vous ferez l'affaire. En fait, on s'en retournait à Anderson, sergent. Foncez, vous avez une terre de trousse. Faut vous dire que ça bouge pas mal le long de la rivière. D'après nous, les Japs se préparent à reprendre l'aérodrome. Un de mes éclaireurs en a vu deux hier. Pas de panique, soldat. Ah, mais regardez le monstre. Ah ouais, d'accord, non. Ah pardon. Merde, plus de munitions. Il fonce droit sur nous. Vous devriez retourner à Anderson, mec. On va rester là au cas où. D'ailleurs, c'était un, ça c'était un gros défaut de des Japonais, c'est qu'ils étaient en des fois en surnom comparé au en fait ce truc il me servait à quoi? À rien. C'est un sniper mais à rien. Mon peupon, il est où mon peupon? Mon popo il a disparu. Non, c'est bon. Ouais, fusil anti-char. Et c'était un gros défaut, c'est que les Japonais c'était des fois en surnombre comparé aux Américains et ils fonçaient dans le tas. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup d'îles. Parce qu'eux ils préféraient foncer dans le tas à coups de baïonnette. Et ils perdaient des centaines et des centaines d'hommes. Alors, on a le parfait exemple dans Frères du Pacifique. Non, c'était... C'était Bandal Brothers. Dans le Pacifique là. C'est que les Japonais fonçaient dans le tas, ils se faisaient massacrer par centaines et les Américains ils avaient juste à se retrancher et tirer dans le tas. Alors qu'ils l'auraient fait différemment les Japonais. En menant une petite une campagne de guérilla ou autre. Ce qu'ils faisaient aussi, hein. Mais en tournant des pièces embuscades, les Américains en auraient chié mais tellement. Enfin ils en ont chié, mais ils en ont encore chié plus. Parce que là se jeter comme en 14-18 dans le tas, c'est... C'est, mais alors, inutile, mais à mort. Il y a un blindé, là. Où est-ce qu'il est ? Il réplique ! Attention, blindé Jap ! Mais ils sont beaucoup trop, là. Ça. Bravo, Tommy. Oh punaise, oh, ils font mal. Faites gaffe, ils progressent. C'est touché. Ils arrivent, les gars. Médecin. Jimmy.
mec il s'en fout. Ok. Aïe. Non mais je peux pas. Bon. Non mais je vais mourir. Ah, je vais mourir. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah d'accord, il a plus de. Il avait plus rien pour me soigner. Ok. Bah du coup, je vais prendre. Pas ça. Je vais reprendre le. Voilà. Parce que pour tirer de loin, c'est bien. Mon dieu, c'est quoi tous ces fusils? Ok, c'est non. Ah, oula. Ah, il y a un chemin par là. Pour arriver par ici. Attention, il y a des gars. Il replique. Faites gaffe, il progresse. Il y a bien un blindé que j'entends, je suis pas fou quand même. Il est là. Je vais mourir là, je vais mourir. Attention, les voilà. Juste devant. Doc. Fois 4. Vas-y, soigne-moi. Reste avec moi. Il y a un char, je pense que je vais aller chercher le truc anti-char. Il a babé l'ouel là. Sont tous morts. Du calme, c'est fini. Ils sont là-haut, Will. Là, ils étaient là-haut. Aouh. Ok, je ne sais pas pourquoi je suis blessé, mais je suis blessé. Retournez à l'aérodrome, oui c'est par là. Dispersez-vous à 3 mètres, nettoyez la place et faites gaffe au piège. Peut-être que le char c'était un bonus en fait. Bon c'est pas grave. Non, ça c'est un canon anti-char par contre. Charge. Waouh, c'est quoi ce truc là? Ah ouais, c'est Space à viser hein. C'est un obusier, c'est pas un canon tuchard en fait. Wouhou, toi tu dégages quoi. Thank you.
le pauvre. C'est bon ? Ils sont tous morts les chars, non ? Attendez. C'est quoi ce bordel là ? Grenade, grenade, grenade ! On chie avec leur grenade là. Au. Ok, c'est juste les renforts, c'est juste les mecs qui ont bugué ici, totalement bugué. Mais soigne-moi parce que il est bien qu'on bugué là-haut. Il me reste deux bandages, fais attention. Et le canon on le détruit pas ? Elle est partie sauvegarder, merci. Quoi ? Allez, j'ai rien fait. Je me suis blessé avec quoi ? Qui avec quoi je me suis blessé ? Ok. Bon, je finis bientôt là parce que je suis à la fin de l'épisode, s'il vous plaît. Tous avec Tommy, allez. Ah oh, les grenades là. Wouah, m'a propulsé celle-là. Là, là, s'il vous plaît, là, il y a un mec en face à moi. Ah, oh, ils font mal. Ah, ils font mal. Il y a un mec là ou quoi? Ils font mal là, c'est quoi c'est... Oh non. On va arrêter avec les grenades. Le mec était figé droit comme ça. Oh la foire. J'ai vu les grenades arriver. J'ai rien pu faire. Oh non, sérieux. Bon, vous savez quoi? Allez, Tom. On va s'arrêter là-dessus. Parce que bon, voilà. Voilà, voilà. On va s'arrêter là-dessus. On verra ça pour la prochaine fois. La suite. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On est à Guadalcanal. C'est le bordel, c'est la misère. Il y a plein de japonais, buggés. Je n'ai pas souvenir qu'il était aussi buggé avant. Enfin bref.
Je souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Medal of Honor, Bataille du Pacifique et sur plein d'autres. Je vous dis ciao, bye bye.